Moi j'ai pris des pâtes à la truffe. Yannil, t'as pris quoi? C'est des... Attends, je me souviens plus. Les garganelli al pesto di pistacchio. Bon app. Hello. Bon, ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel. Sinon, je voulais vous parler d'un petit truc qui nous est arrivé hier. Parce que du coup, hier, on est arrivé en Suisse. Mais avant d'arriver, on a dû passer la douane. Sauf qu'on n'avait rien à se reprocher. Du coup, on se dit tranquille, la douane, tout ça. Et là, évidemment... les douaniers, enfin les flics qui arrêtent la voiture, etc. On se met sur le côté et tout. Ils nous demandent nos infos, nos cartes, etc. etc. Tout en fait, les papiers, enfin bref, tous les bails comme ça. Ils nous disent, vous êtes combien dans la voiture? On leur dit 2, avec un chien. Parce que nous, ça nous fait rire de... Enfin, on est en mode... on est un peu 3, mais en mode de, c'est un chien, mais enfin, vous avez capté. Sauf qu'en fait, on était trop bêtes. Ils ont commencé à nous demander les papiers debout, etc. Donc nous, rien à se reprocher, on donne des papiers et tout et tout. Et là, ils nous disent, est-ce que vous avez dédouané le chien? Et on est en mode, bah, c'est pas à manger, c'est pas de la marchandise. Sauf que si. Il faut savoir qu'en Suisse, un chien, c'est considéré comme de la marchandise. Quand t'arrives à la douane, à la frontière du pays, il faut le dédouaner. On est en mode, mais c'est un être vivant. Puis alors moi qui suis très, enfin voilà, hein, j'étais en mode, mais comment c'est possible? Enfin allô, juste on parle d'un animal, enfin les gens ils sont ouf. Et en gros, c'est comme si t'allais acheter de la viande, je sais pas moi, en France, et que quand tu passes la frontière, tu dois le payer, quoi. Moi je trouve ça hallucinant. Il y en a peut-être qui vont dire, mais c'est normal, enfin moi ça me choque pas. Mais alors nous on était choqués. On s'y attendait pas et en fait on en parlait autour de nous, mais personne ne savait en fait, personne n'avait cette information. Donc du coup le mec il nous dit bah du coup vous devez payer en fonction de l'animal, etc. Donc c'est ce qu'on fait, plus une amende parce qu'on ne le savait pas. Ça se fait hop. Mais bon, on a payé, allez hop, 500 balles et on est passé. Tout va bien qui se finit bien. Boubou, coucou. Comment ça va la beauté? Madame, elle a dormi avec nous dans le lit. Un boubou. La tête. Mais bonjour. Regardez avec qui on est, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. On est dans des petites cabines comme ça, c'est hyper original. On est à l'hôtel Beau Rivage, toujours, et on va manger dans la petite cabine. C'est trop kiki. C'est des vraies cabines. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu faisais pas 1m62, tu dis faire. Annie ne me croit pas que je fais 1m62. Il y a des gens qui rajoutent des centimètres, mais moi je fais pas ça. 1m55 c'est bien aussi. J'assume, mais j'ai pas 1m55. Comme disait Coluche, tant que les deux pieds touchent par terre, c'est que tu fais la bonne taille. Je te déteste. Oui. C'est toi qui te rajoutes des mythos, va. Tu dis pas que tu fais 1m80? Tu peux écrire ça sur ta carte? Non, 78. Oui, mais moi je fais 1m62. Non, par contre c'est chiant. 55, ouais, bien sûr. Non mais, en vrai, est-ce qu'il y a des gens qui rajoutent des centimètres sur leur carte d'identité? Oui, il faut bien préciser sur quoi, hein, c'est important. Sur leur taille, du pied à la tête, des pieds à la tête. Allô la boubou. Allô. Elle est là. On est en train de voir pour prendre le petit déjeuner en chambre demain. Donc je suis en train de voir la petite liste et tout. Et regardez. Œuf brouillé au caviar. Il n'y a que en Suisse que tu peux voir ça. La truffe, déjà j'étais choquée. Mais alors caviar.